Allez, tu peux commencer. Allez. Oui, un instant, je lance le stream. Ok, voilà. Bonjour à tous. J'espère que vous Bonjour. m'entendez. Bonjour. Oui, bonjour à tous et bienvenue à notre réunion. Elodie, tu peux laisser l'écran partagé. Notre nouvelle session sur Azure. On s'excuse pour ce petit retard qui est lié à une certaine technique. Et donc, nous allons aujourd'hui voir de manière générale comment vues d'ensemble de Azure Compute Services. Et après cela, Monsieur Héritier, qui est parmi nous ici, va nous présenter les éléments basiques concernant les réseaux sur Azure. Le réseau, il va peut-être nous aider à créer un réseau virtuel. Un réseau virtuel qui pourra nous permettre de connecter nos ressources entre elles et de pouvoir naviguer facilement entre elles et sur Internet. Et à la fin de ceci, nous allons voir comment on peut utiliser, on peut connecter nos bases de données à nos machines ou à nos ressources. On créera effectivement une base de données qui parlera, en fait, Azure Data SQL, Azure Data SQL qui est basée sur SQL Server. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Donc, Monsieur Héritier, il est MCT, il est CCNA, il est Microsoft, en fait, il est beaucoup. Si vous allez sur sa page YouTube ou bien son profil Facebook, Instagram, vous allez lui voir tout. Il va aussi présenter quand il va commencer. RD avec qui je présente, il est Microsoft Student Ambassador. Il est niveau bêta comme moi-même. Et voilà toute notre configuration. Alors, de manière générale, je vais essayer de me connecter directement sur mon compte Azure pour nous permettre voir les ressources dont je venais de parler il n'y a pas longtemps. Les ressources de Azure qui sont, disons, la vue d'ensemble des ressources Azure qu'on trouve dans Azure Service, Azure Compute Service, Services. Je dois préciser que ce n'est pas, il y en a beaucoup, mais je vais parler des ressources ou bien des services qui sont les plus utilisés. Nous avons les machines virtuelles, on en a déjà parlé dans les 20 précédents. Nous avons les groupes
des machines virtuelles identiques, ce qu'on appelle, je crois, Azure, machine virtuelle Azure SQL 7, SQL 7, oui. Ici, je vais déconnecter celui-là pour que je me connecte. Donc, patientez que Azure se connecte. RTC, je prends le contrôle du partage, je partage mon écran. Alors, ici, nous avons Albert. Voilà, nous sommes là. Ça, c'est les réseaux virtuels des Azure. Et il faut qu'on commence bien l'enregistrement de ceci. Voilà. Nous sommes donc dans Azure et nous allons voir directement les différents services qui existent. Dans Azure Service Compute Service, ici, ça c'est le tableau de bord. Ça c'est l'accueil. C'est l'accueil. Donc, si on a besoin de parcourir, de savoir quels sont les services qui existent dans Azure, on peut le voir ici. Ici, nous prenons tous les services. Et quand nous prenons tous les services, voici ce qui s'affiche. Voilà, nous avons ce tableau ici à gauche. Et l'autre à droite où on affiche les services. Moi, je vais prendre ici calcul. Calculer, c'est ça, compute services. Donc, ici, c'est en français. Donc, si on était en anglais, on allait voir directement, on écrit compute. Ici, je prends directement ceci et voici les services Azure, les services Azure compute services. C'est ça ici. Il y en a plusieurs. Les machines virtuelles, vous connaissez déjà ce que ça nous permet. Ça nous permet de pouvoir créer d'autres machines. Ce n'est pas des machines physiques, mais on a quand même la possibilité de créer des machines qui reflètent nos machines physiques pour pouvoir installer, les gérer selon nos convenances. Donc, nous avons là les machines virtuelles, le groupe identique des machines virtuelles. Il y a des moments où vous avez besoin. Vous avez besoin de créer plusieurs machines virtuelles avec les mêmes configurations. Alors, au lieu de créer chaque machine une fois, parce que si vous créez chaque machine, machine par machine par machine, alors au moins vous avez besoin de trouver un réseau pour pouvoir les connecter ensemble. Ça devient un service supplémentaire. Mais quand vous créez directement un groupe de machines virtuelles identiques, vous avez directement cette possibilité déjà de créer un service qui vous permet de pouvoir connecter vos machines ensemble. Et de les mettre à jour, disons, automatiquement ou non automatiquement, mais en un coup. Nous avons ici App Services. App Services ici, c'est pour normalement les services web, et mobile services, ainsi de suite. Si vous avez besoin, vous créez, vous générez, vous déployez et gérez des applications web, mobiles et des API aussi, performantes pour vos employés ou clients, en fait, pour vos applications, à l'aide d'un seul backend. Ça, c'est les rôles des Azure App Services. Ici, nous avons un service Kubernetes ici. Ça, c'est comme une sorte de conteneur qui n'a pas besoin d'avoir de système d'exploitation. Il y a aussi un autre ici, c'est instance de conteneur ici. Donc, nous avons ces deux-là qui sont quelque sorte de conteneurs qui sont basés sur Docker. Docker, c'est. C'est-à-dire, vous avez une machine qui fonctionne, mais vous n'avez pas son système d'exploitation. Vous avez la possibilité de l'installer sur une autre. Vous avez tout simplement l'environnement de navigation, comme par exemple la ligne de commande, ainsi de suite. Mais vous n'avez pas son, vous n'avez pas de
les systèmes. Donc, vous n'avez pas besoin d'installer les systèmes. Ce sont des choses qu'on installe pour lorsqu'on a besoin des services légers. Parce que quand vous devez créer une machine virtuelle, vous installez sur son système d'exploitation, ça fait autant de choses. Ça, ce n'est pas. Donc, quand on a besoin de quelques services, et j'ai besoin, par exemple, d'un service qui doit fonctionner sur Windows, je crée un conteneur qui accepte certains services de Windows et j'exécute directement mon service sur le même environnement, sans pour autant avoir un système d'exploitation installé au préalable. Nous avons ici Azure Function. Il y en a ici application de fonction. Azure Function ici est application logique. Ça, ce sont les techniques de l'informatique serverless plutôt, qui vous donnent la possibilité de pouvoir exécuter certains services de manière automatique, sans pour autant passer par des serveurs, ainsi de suite. Azure Function, lui, a besoin tout simplement du code. Donc, vous vous préoccupez du code et vous n'avez pas besoin d'installer quoi que ce soit en avance. Donc, ce code-là doit s'exécuter sur base d'un événement. Donc, l'événement-là doit être programmé. Et quand vous avez juste besoin de vous préoccuper du code, de là, vous avez besoin de Azure Function, Azure Function App ici, application de fonction, comprenez la langue. Ou bien, si vous n'avez pas besoin, par exemple, du code, vous avez besoin directement d'interagir. Albert? Je crois que ton micro est coupé, hein? Albert. Albert? Je crois que le micro d'Albert s'est coupé, je sais pas pourquoi. Oui, Monsieur Hériti, on a un petit problème avec Albert qui est dû à la technique, je ne sais pas pourquoi. Mais je viens de l'appeler, il dit qu'il revient très bientôt. Il y a juste un petit problème de connexion qui l'empêche de pouvoir reconnecter son micro. Et donc, si on peut déjà continuer, Monsieur Hériti, on peut déjà vous écouter sur votre sujet qui est si très intéressant qu'on attendait depuis très longtemps. Oui, bonjour à tous. Je vais partager mon Bonjour. écran pour que vous puissiez effectivement voir le diapositive que j'ai préparé pour la présentation. Moi, je parlerai au fait de la partie networking dans Azure. Donc, je préférais utiliser le diapositive qui parle directement de la partie de l'examen AZ900, qui est l'examen de Azure Fundamentals. Et pour me présenter, je m'appelle Hérité Candolo, je suis certifié trainer. Pour la suite de certification, je vous laisse le libre choix de pouvoir prendre l'URL de MayaClem-user-hérité-candolo. Badge. Donc là-dessus, vous trouverez tout ce qui me concerne en termes de certification. Donc dans la partie Core Azure Services, donc mon diapo
d'une partie il est en anglais, d'une partie il sera en français, justement pour vous faciliter la bonne compréhension et parler de ce qui est essentiel dans la partie que je suis censé présenter. Donc, dans la partie Core Azure Services, moi je parlerai uniquement du networking, donc la partie réseau. Le réseau, lui, il vient intervenir pour interconnecter les équipements, les différentes entités ou équipements, où, entre autres, nous avons le VM ou d'autres services qui se trouvent sur le cloud. Dans le réseau, dans la partie virtual network, dans la partie réseau, on va parler du virtual network, on va parler du VPN Gateway, on va parler de Virtual Network Peering, on va parler de Express Route, et c'est tout ça en fait qui forme la partie networking dans Azure. Donc, le service réseau Azure, comme je vous ai présenté dans le diapo précédent, il y a le Azure Virtual Network. Le Azure Virtual Network permet aux ressources Azure de pouvoir communiquer entre elles et aussi avec Internet. Donc, c'est une forme de réseau virtuel qui interconnecte les machines virtuelles entre elles et les machines virtuelles à Internet. Ou encore, vous pouvez créer votre réseau local et interconnecter les différentes machines dans votre réseau local. Donc, lorsque je parle de réseau local, je parle très bien de la partie où vous devez gérer le plan d'adressage, vous devez gérer la segmentation, donc entre autres le VLAN, et appliquer aussi la partie sécuritaire dans Azure. Donc, dans cette même partie, c'est quoi le but en fait de créer un réseau virtuel, le réseau Azure virtuel? C'est pour communiquer. Bien sûr, c'est pour communiquer, mais aussi Azure vient apporter une couche supplémentaire de fonctionnalité firewall qui interagit avec ces réseaux virtuels-là que vous devrez créer pour la communication. Et dans la partie Virtual Private Network Gateway, donc un réseau virtuel privé, donc le VPN ici viendra rassurer les envois des trafics chiffrés entre le réseau virtuel Azure et les emplacements locaux. Ce qu'on appelle emplacement local, c'est votre data center en local. C'est une machine qui vient se connecter en VPN pour accéder aux ressources qui se trouvent sur Azure, que vous avez déjà déployé sur Azure. Donc, c'est à l'aide de ce ressource-là, VPN Gateway, qui va vous permettre de pouvoir gérer en fait cette interconnexion. Et ensuite vient le Azure Express Route, donc le réseau Express d'Azure. Là, c'est uniquement pour étendre le réseau local dans Azure via une connexion privée qui est facilitée par un fournisseur de connectivité. Donc, si on va très bien expliquer ça, je préfère passer au slide suivant. Et c'est dans ces slides-là que vous allez mieux comprendre. Donc, nous avons notre. Moi, je vais prendre le pointeur. Donc, nous avons un réseau A, donc un virtual network A. On a un virtual network B. Et ensuite, on a un hub virtuel. Un hub virtuel, c'est comme le central. Donc, ici. Si on doit mettre ça sous des exemples, on dira que c'est le réseau virtuel du HQ. Donc, vous avez un abonnement Azure dans lequel vous déployez les serveurs pour un site quelconque qui est le site HQ. Et ensuite, vous avez d'autres abonnements ou d'autres containers qui viendront se connecter sur le HQ. Donc, avec les machines virtuelles qui se trouvent sur le HQ. Maintenant, l'interconnexion entre le réseau virtuel A au HQ se fera soit à l'aide d'un peering. Donc, le peering, c'est une des fonctionnalités qu'on retrouve sur le réseau virtuel qu'on va créer. Et dans le réseau virtuel, on peut faire du subnetting. Donc, on peut découper en plusieurs VLAN. Donc, vous pouvez avoir une succursale qui se trouve à l'ICASI
Et dans cette succursale qui se trouve à l'IKASI, vous avez un gros VLAN, ou un gros réseau. Vous le découpez en fonction de sous-réseaux, des sous-réseaux dédiés à chaque département. Donc ça, c'est lié au réseau virtuel A. Idem avec un autre site qui a un réseau virtuel B, qui reçoit aussi des découpages en subnetting en fonction de votre convenance qui sera liée au département ou qui sera liée à des services ou qui sera liée à d'autres fins professionnelles que vous pouvez avoir. Et ces deux réseaux-là utilisent soit du peering entre le site A et le HQ, ou ils peuvent utiliser, autoriser, recevoir une autorisation de gateway transmit. Donc, à condition que ce réseau-là puisse passer la communication directe via VPN gateway. Donc, ça sera dans le grand hub virtuel. On va créer un gateway subnetting, donc un gateway subnetting dans lequel on va avoir le ressource VPN gateway, et les autres sites vont se connecter en VPN site to site ou client to site. Donc le client to site, ça sera une machine qui sera sur Internet, donc qui va passer via Internet pour se connecter à votre réseau cloud. Et ensuite, à l'aide de même VPN Gateway, on peut interconnecter notre cloud public à notre cloud privé qui se trouve sur site, on-premise. Donc, qui se trouve sur site. Vous faites communiquer un serveur qui se trouve en local avec d'autres ressources se trouvant dans le cloud. Donc, c'est à l'aide de tout ça que vous pouvez mieux gérer votre réseau cloud. Et c'est comme ça que vous pouvez interconnecter les différentes ressources cloud entre eux ou le ressource cloud avec le ressource qui se trouve sur le réseau privé ou encore autoriser un utilisateur quelconque à X à se connecter à des ressources qui se trouvent dans le cloud. Sans plus tarder, on va devoir passer à la partie procédure pas à pas qui va nous démontrer, je vais vous démontrer comment faire pour créer un réseau virtuel. Et on va créer un réseau virtuel, on va créer deux machines virtuelles et on va tester leur connectivité. Donc, je vais lancer je vais me connecter à la console portail Azure. Donc, j'étais déjà en train de vouloir créer une machine virtuelle, ensuite interconnecter cette machine virtuelle à d'autres ressources qui se trouvent à un réseau quelconque. Donc, comme vous le savez très bien, tout au début, il y a Albert qui vous a parlé de comment est structuré Azure. Donc, il y a la partie abonnement, il y a la partie groupe de ressources, il y a la partie ressources. Le ressource, c'est une machine virtuelle, comme Albert l'a dit précédemment. Et le groupe de ressources, c'est celui qui vient organiser, au fait, le ressource qui se trouve dans le cloud. Comme pour mon cas, je vais devoir créer un réseau virtuel. Donc, je vais créer un ressource appelé réseau virtuel. Donc, je vais appeler. Je vais écrire sans le signe. Voilà. Bon, j'ai pratiquement choisi la partie pratiquement choisi la partie portail qui est en français. Ouvert vite, mise en réseau. Monsieur Ritter, on n'a que votre écran La de slide. présentation. Oui. D'accord. Je vais représenter. Je vais représenter. D'accord. C'est bon. Là, vous voyez mon écran maintenant. Oui, très bien.
D'accord. Je disais que j'allais créer un réseau virtuel dans lequel je vais maintenant cette fois-ci définir le plan d'adressage comme je vous ai suggéré tout au début là. Je vais faire Dashboard. Réseau virtuel. Bon, je vais créer un nouveau réseau virtuel. Donc, je commence par sélectionner mon abonnement. Je sélectionne le groupe de ressources dans lequel je vais créer le réseau. Bon, je préfère créer un nouveau groupe de ressources. Je vais appeler AZ Test. OK. D'accord. Maintenant, ici, j'ai donne le nom à mon réseau virtuel. Je peux dire, je peux appeler ça réseau. Je vais donner ça un nom fictif. Réseau Contenso. Dedans, ici, au niveau de la région, je dois choisir dans le data center, je souhaite créer en fait le ressource. Je prends les États-Unis. J'ai pas de problème avec d'autres régions, je préfère les États-Unis. Par défaut, en fait, Azure a le plan d'adressage qu'il vous propose. Donc, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Vous pouvez le supprimer et définir votre propre plan d'adressage. Moi, mon plan d'adressage, je vais utiliser, je prends ceci, 143 00 16. Ensuite, dans ce grand plan d'adressage ou espace d'adressage IP, je vais cette fois-ci créer de sous-réseaux. Je vais ici créer des sous-réseaux. Les sous-réseaux, je vais les affecter à des sites. Donc, je peux avoir un HQ qui se trouve à Lubumbashi. Donc, j'appelle ce réseau-là Lubumbashi. Et dedans, je définis le plage d'adressage IP de ce succursale ou HQ. Donc, ça sera .10.0/24. Ensuite, je l'ajoute. Je vais devoir ajouter deux. Comme ça, on va mieux comprendre comment ça fonctionne. Donc là, je détermine deuxième point d'adressage. 20.0/24. Ah non, c'est le nom, sorry. Le nom, je vais dire le cas. IP, c'est bon. Je l'ajoute. Voilà. À ce stade, ou à cette partie ici du cours, vous n'êtes pas obligé d'aller dans les autres onglets. Je vous demanderai ou je vous recommanderai de passer directement dans la partie vérification et création. Donc là, à cette étape ici, qu'est-ce que fait Azure? Azure vérifie si les infos que vous avez données n'ont jamais été utilisées, n'ont pas d'autres éléments qui risquent d'être identiques et partir en collision. Donc, je crée le réseau que je vais appeler Contoso, qui est en cours de déploiement. Pendant que ce réseau est en cours de déploiement, je vais devoir créer deux machines virtuelles, donc deux ressources machines virtuelles qui viendront se connecter à ce réseau. Bon, moi, je suis pro à pouvoir utiliser Windows, mais pour les gens qui s'hasardent à pouvoir utiliser Linux, pour mieux leur faire comprendre, on va créer une machine virtuelle Windows et une machine virtuelle Linux. Donc, comme on le voit bien, le réseau virtuel Contoso vient d'être déployé, c'est OK. Donc, je vais garder la fenêtre de connexion là. Ensuite, je prends l'autre onglet où je vais créer une machine Windows. Donc, groupe de ressources. Je le déploie dans le même groupe de ressources. Bon, il faudrait que j'actualise la page. Je vais fermer carrément. Cette page est venue bien avant. Je vais créer un Windows Server 2016. Je choisis mon abonnement. Ensuite, je prends le groupe de ressources. Ensuite, le nom de la VM. Le nom de la VM, je vais appeler ça serveur et le boom. Je vais prendre serveur.
et Lubumbashi. Ok, c'est ok. La région, en fait, cette VM a récupéré en fait la région du groupe de ressources qui était USA Est. Ensuite, j'ai choisi l'image. Je vais prendre un Windows Server 2016, comme je vous l'ai dit. La taille du disque et le processeur plus le prix. Donc, je vais prendre ce que j'ai l'habitude d'utiliser. Ensuite, j'ai défini le compte administrateur qui viendra se loguer pour ouvrir la session. Et son mot de passe. J'ai raté quelques touches. Je reconfirme le mot de passe. OK. Maintenant, dans la partie règles de port d'entrée, pour me permettre de pouvoir gérer en fait la connexion en remote desktop, je vais devoir autoriser uniquement le port d'entrée RDP, le 3389. Vous pouvez sélectionner soit du HTTP, soit du SSH. Mais je ne vais pas exposer plusieurs ports sur Internet. Je vais juste garder le RDP pour me permettre de pouvoir faire du remote desktop sur la machine virtuelle. Je passe à la partie networking, mise en réseau. C'est dans cette partie ici que je vais sélectionner mon réseau. Donc, le réseau, c'est le réseau Contenzo. Ensuite, le sous-réseau. Je veux que la VM soit dans quel sous-réseau? Je prends Lubumbashi parce qu'on avait décidé la VM Lubumbashi. L'IP, soit elle sera attribuée d'une manière automatique, soit on va l'IP public, on va appeler l'IP public de Microsoft, soit on va définir notre IP public où on peut ou ne pas le connecter à Internet. Sans oublier, on a dit qu'on devait faire du remote desktop sur le serveur. On doit utiliser l'adresse IP publique parce que notre machine n'est pas connectée en VPN avec le réseau Azure. Donc, on doit se rassurer que la machine virtuelle a bien le bien une adresse IP publique. Donc, je laisse cette partie du paramètre par défaut. Ensuite, je passe à la partie vérification et création. Ici, comme tout ce qui est ressources, comme on l'avait fait avec le réseau virtuel, il vérifie et il me dira si c'est prêt à pouvoir, si c'est prêt à pouvoir être déployé. Donc, comme vous le voyez très bien là, Microsoft vous attire votre attention en disant que ce port RDP sera ouvert sur Internet. Donc, il vous recommande de le laisser comme ceci, seulement pour des raisons de test. Si vous voulez faire plus pro, il ne vous recommande pas de laisser le port RDP visible sur Internet. Il vous suggère de faire une liaison sécurisée entre votre réseau virtuel Azure avec soit la machine, soit votre data center qui se trouve en local. Donc, je vais créer la machine. Pendant que ça se déploie, on va créer directement une deuxième machine. Donc, je vais juste copier le lien. Je vais rentrer là. Je rouvre l'autre onglet. On va créer une deuxième machine virtuelle Linux. Et ensuite, on va les connecter entre eux. Machine virtuelle Linux. Ah non, j'ai pris l'option information. Je vais faire nouveau ressources. Va prendre le serveur Linux. Ça sera identique. Donc, vous devez sélectionner le groupe de ressources, Azure Test. Nom de la VM, je vais appeler ça serveur. Je l'ai mis underscore, underscore, cassie. Ah, non, ça refuse. C'est un truc qu'il faut mettre. Ensuite, ici, je vais utiliser un mot de passe pour me connecter à un SSH sur le serveur. D'où j'ai choisi l'option de type d'authentification par mot de passe. Définir le nom d'utilisateur et je définis mon mot de passe. Donc c'est fait. Et idem, avec la machine virtuelle Linux, je peux le gérer qu'en SSH ou en HTTP ou en HTTPS.
Mais pour mon cas, je préfère utiliser du SSH parce que dessus, il n'y aura rien comme package qui peuvent nous permettre de pouvoir le gérer en HTTP. Donc, je passe directement à la partie mise en réseau. Le plus intéressant pour moi, je vais spécifier, c'est Linux, plutôt, c'est le sous-réseau Likasi et l'IP public, on laisse par défaut, que Microsoft puisse nous octroyer une adresse IP publique. Vérification et création. Azure, Azure vérifie encore une fois de plus s'il n'y a pas, y a pas de conflit avec les adresses IP. On me dit que la validation est, s'est faite avec succès. On me recommande de ne pas exposer mon port SSH ouvert sur Internet. Je passe à la création. Pendant que ça se crée, je vais juste vérifier si la première VM a été déployée. Effectivement, la première VM a été déployée. Je vais me connecter, je vais me rendre sur la ressource VM. Le serveur est déjà démarré. Je vais télécharger la petite application, le petit plugin de connexion en remote desktop, le petit fichier. Je le télécharge. Ensuite, je vérifie aussi si ma partie Linux est finie. Il est toujours en cours de déploiement, comme vous le voyez là. Le déploiement est en cours. Donc, et là, j'ai mon réseau. Dans mon réseau, quand on saute, je sais voir quelles sont les machines virtuelles qui se sont déjà connectées. Donc, si je vais au niveau de appareils connectés, je verrai les machines virtuelles qui sont connectées à mon réseau. Et ces machines virtuelles, leurs adresses IP. Vous me poserez la question d'où viennent les adresses IP qu'on a définies, comment les machines ont obtenu l'adresse IP. Je vous dirai à ce stade que ces adresses IP-là ont été attribuées d'une manière automatique par Azure. Azure, lorsque vous définissez vos sous-réseaux, il va s'en charger de pouvoir attribuer d'une manière automatique les adresses IP sur vos machines. Maintenant, si vous voulez gérer la partie serveur DNS, il vous suffit d'aller sur l'option serveur DNS. Par défaut, on vous dit c'est fourni par Azure. Vous pouvez personnaliser en définissant les adresses IP du serveur DNS. Pour mon cas, je ne vais pas utiliser cette option justement parce que je souhaite utiliser un ping, je souhaite utiliser le DNS de Azure pour effectuer mes pings avec le nom de mes serveurs. Donc, je les laisse par défaut. Si vous vous rappelez très bien, je vous ai parlé de ping. Là, je vais prendre l'option annuler pour ne pas enregistrer en fait la modification. L'option ping, comme je vous ai dit, ça devait être utilisé pour connecter plusieurs ressources, donc plusieurs réseaux virtuels. Donc, pour notre cas, on n'a pas plusieurs réseaux virtuels, on a un seul réseau qui contient en fait le sous-réseau. Ensuite, on a le point de terminaison. Qu'est-ce qu'on appelle le point de terminaison de service? Le point de terminaison de service, c'est ça va vous aider à pouvoir connecter votre réseau virtuel Azure avec d'autres services Azure que vous avez. Par exemple, vous avez pris une option de synchroniser vos utilisateurs Active Directory à vos utilisateurs. Donc, synchroniser vos utilisateurs Active Directory sur Azure. C'est à l'aide de ce point de terminaison de service que vous allez interconnecter votre réseau virtuel, donc le VM qui se trouve dans votre réseau virtuel, avec le service Azure Active Directory. Donc pour le faire, c'est simple. Il suffit juste d'aller sur Ajouter. Vous sélectionnez le service. Ça peut être un Azure Active Directory, ça peut être un Azure Cosmos DB, ça peut être le service de machine learning. Ça peut être un Event Hub, ça peut être un Key Vault, ça peut être un service bus, ça peut être un SQL, ça peut être un storage, ça peut être un site web. Ce sont des services Azure qu'on peut utiliser pour interconnecter avec nos VM à l'aide de ce réseau virtuel, tout en utilisant la fonctionnalité point de terminaison de service. Donc, je suppose, si vous voulez faire une interconnexion avec votre Azure Active Directory, vous le sélectionnez. Ensuite,
Vous sélectionnez le sous-réseau qui doit avoir accès à ce service-là. Si vous dites c'est tout le réseau, vous sélectionnez tout le sous-réseau, vous sélectionnez tout. Ensuite, ce sera l'IDM à pouvoir le connecter avec, à interconnecter les machines qui se trouvent dans ce réseau-là, dans ce sous-réseau-là, avec le service Azure Active Directory. Donc, il sera juste demandé de cliquer sur Ajouter pour que cela soit ajouté sur le réseau soit déployé sur votre grand réseau Azure Cantoso, Azure Virtual Network. Ensuite, nous avons le point de terminaison privé. Donc, ici, c'est pour faire le tunnel VPN. Donc, là, vous n'avez pas l'option de la création, mais plutôt vous avez l'option juste pour voir si votre réseau ici est connecté à un hub, que je vous ai expliqué précédemment pour utiliser le VPN Gateway. Pour d'autres options, nous avons l'option du pare-feu. On n'a pas créé de pare-feu sur ce réseau-là, mais on peut bien le déployer, on peut bien ajouter un nouveau pare-feu. Mais pour le moment, on n'est pas encore arrivé. Plus loin dans cette série de sessions, on va vous parler de ce réseau, du pare-feu qui vient de se connecter à ce réseau virtuel. On a la partie sécuritaire qui nous suggère des recommandations en fonction de la configuration qu'on va effectuer. Mais pour le moment, on n'a pas encore. On n'a pas encore commencé à faire véhiculer des flux dans ce réseau, d'où on n'a pas de recommandations. On va vérifier si la machine virtuelle Linux est finie. On a fini de déployer la machine virtuelle Linux. Effectivement, le déploiement est fini. On va se rendre sur le serveur virtuel Linux connecté. SSH. Bon, je vais vous partager mon écran en entièreté, parce que là, j'ai juste partagé l'écran, l'application. Voilà, je vais couper pour 2 minutes. Je coupe la présentation. Je repartage ma présentation. C'est bon. D'accord. Je vais faire du SSH sur mon serveur Linux. Je vais agrandir un peu pour une bonne visibilité. Ici. J'ai pas pris l'IP. L'IP de la machine virtuelle. Puis, je rentre là, faire les SSH. C'est bon, j'accepte la clé. Je tape mon mot de passe. C'est validé. Je pense que l'écran est plus grand. Je vais réduire un peu. J'ai du mal à pouvoir voir les écrits de mon écran. Effectivement. Donc là, je suis connecté en SSH sur ma machine virtuelle Linux qui se trouve sur Azure. Donc on peut bien voir que la machine virtuelle est connectée à Internet. Très bien connectée à Internet. Et je me connecte en SSH aussi sur la machine virtuelle Windows. Je fournis les authentifications. OK.
Vu dans ma session, ça charge la session. Bon, le temps que ça charge, mon profil, parce que je viens de connecter pour la première fois, je vais juste vérifier les adresses IP des machines. Comme ça, on retient très bien que la machine virtuelle servant l'ICASI a pour IP 10.243.20.4. Donc, on peut bien le vérifier sur la machine virtuelle. Ah ouais, j'ai tapé IP profil. Habitué avec Windows. C'est bon, c'est bien le bien l'IP là qu'on voit là. On peut bien le piller. Effectivement, ça fonctionne. Le serveur virtuel de Lubumbashi a juste une différence au niveau du troisième octet de l'adresse IP. Ça passe en 10. On valide. On voit bien que le ping ne passe pas. Le ping ne passe pas. On va se connecter sur le serveur virtuel. Je vais créer par défaut, en fait, un serveur virtuel, un serveur de Windows, vient avec le firewall configuré par défaut qui bloque les autorisations de ping. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste autoriser ICMP sur mon serveur. Bon, je vais faire un shell. Je vais dire allow V4. Ok, c'est bon. Ping 10.243.20.4. Je sais pinguer ma machine virtuelle Linux. Donc, je vais rentrer sur Linux pour effectuer le ping. Je vais laisser le ping continuer. Sur Linux, par défaut, le ping est en continu. On sait bien voir que la machine virtuelle Linux arrive à pinguer la machine Windows qui se trouve sur le sous-réseau de Lubumbashi. Donc, j'ai dit et je vous remercie. Donc, s'il y a des questions, je reste dispo pendant 2 minutes, du temps de pouvoir recevoir des questions et je vais vous répondre à toutes vos questions. Oh, c'était super. Je suis trop ébahi pour pouvoir parler. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions? Si vous pouvez me dire des questions, comme ça, je vais voir si je peux le répondre directement en live. Il n'y a pas eu jusque-là, je suppose.
Oui, Albert. Oui, Albert, on a un peu du mal à t'entendre. Ton son, il est trop bas. J'aurais du mal à m'entendre. Oui. Si je te le confirme. Non, ça c'est bon. Là, vous m'entendez maintenant. Oui, exactement. Oui, c'est ce que je disais. Donc, on n'a pas assez de questions pour le moment, mais nous sommes déjà en tout cas très fiers de nos sélections. De toute façon, tout est clair ici. Je ne vois même pas pourquoi les gens doivent poser des questions, sauf s'il s'agit d'une compréhension quelconque. Mais déjà, quand on regarde le salon, c'est déjà bon. Et nous disons donc merci beaucoup pour votre disponibilité. Ce n'est pas la dernière fois, je suppose. Et je sais que la prochaine fois, ça sera avec une autre manière de faire les choses. Donc, vous verrez que tout ira à la hauteur de ce qu'il faut. C'est ça la logique. Merci beaucoup, monsieur Riquet. S'il y a des questions auxquelles nous ne pouvons pas répondre, nous vous les ferons parvenir d'un moment à l'autre. D'accord, merci beaucoup à vous. Je passe, on va passer à l'autre personne qui doit présenter la partie database. Oui. Donc ça, c'est Erdi, c'est à toi la parole. Merci beaucoup, monsieur Héritier. C'était un réel plaisir de vous avoir aujourd'hui. J'ai beaucoup apprécié, surtout la création de tout ça, machine virtuelle, sous réseau et tout. Ça m'a toujours passionné, mais bon, même si je ne suis pas dedans. Moi-même, j'ai des questions, mais je vous poserai ça en back-end. Hein. Et donc, oui, donc je partage mon écran. Aujourd'hui, je vais principalement parler de base de données. Oui, c'est devenu quelque chose de très important chez les développeurs, même pas seulement chez les développeurs, mais chez tout le monde qui est dans la technologie, a toujours besoin de stocker quelque chose, récupérer quelque chose ou pouvoir mettre quelque chose pour le récupérer plus tard. Donc, comme on a dit, je vais parler des bases de données. Donc, les bases de données sont devenues, sont partout. Et il y en a maintenant aujourd'hui des bases de données tellement énormes que vous avez même du mal à concevoir dans la tête. Donc, SFR s'est dit non, moi aussi je dois offrir des services de base de données vu que c'est tellement important. Imaginez-vous que vous ayez un monde où il n'y a pas de base de données, un monde informatique sans base de données. Je ne sais pas, peut-être que ça sera un peu très difficile à concevoir dans la tête, mais bon, moi je ne sais pas si ça pourrait arriver un jour. Et donc, comme nous on est en train de parler principalement d'Azure, on va parler de ce qu'est-ce que Microsoft Azure offre comme service de base de données. Alors, aujourd'hui, on va parler d'abord une petite preview. Je vais juste présenter des services de base de données dans Azure. Je vais vous donner un petit scénario qui va essayer un peu de nous mettre dans la peau de quelqu'un qui veut offrir des services Azure à une certaine entreprise pour pouvoir voir quels sont les bénéfices d'un certain service chez Microsoft Azure, de services de base de données, bien sûr. Et puis, on passera à une petite démonstration et puis à la fin, on pourra répondre à des questions-réponses. Et donc, sans plus tarder, je vais présenter les services de base de données. Alors, Microsoft Azure offre beaucoup de services de base de données. Il y a par exemple Cosmos DB, SQL Database, SQL Manager Instance, Database pour MySQL, ce qui est beaucoup utilisé par exemple pour les développeurs PHP, ils aiment beaucoup MySQL, mais Microsoft Azure offre aussi ces services. Il y a aussi PostgreSQL. Donc, si vous remarquez bien, tous ces services de base de données sont offerts aussi. Pas seulement par Azure, mais Azure a voulu aussi offrir ça sur un service cloud. Donc, il y a Synapse Analysis,
HD Ignite, DataBridge et Analytics Assist Data Lake. C'est beaucoup de tellement de services, on ne pourra pas avoir tout le temps pour pouvoir explorer tous ces services. Mais on va quand même en choisir quelques-uns qui vont vraiment nous passionner et puis faire quelques démonstrations sur ce qu'on va choisir. Tellement qu'il y en a beaucoup, ça nous prendra toute une année de pouvoir apprendre comment cela fonctionne, qu'est-ce que le bienfait et tout. Mais ce qui est sûr, c'est que Microsoft offre une grande panoplie de services de base de données. Et ça, on va un peu essayer de découvrir quelques-uns qu'on a choisis juste par tri. Et donc, comme j'ai dit, on va se mettre un peu dans la peau de quelqu'un qui travaille dans une entreprise et on lui demande, et c'est un, OK, c'est un expert Azure, imaginons-nous juste. Je veux juste que vous essayiez un peu de vous mettre dans la peau de cette personne. C'est un ingénieur qui travaille dans une certaine entreprise, mais c'est un expert Azure. Alors, on lui demande de faire ça. Alors, c'est ça que j'ai dit, j'ai appelé scénario. Alors, la petite entreprise s'appelle ITK. Comme on dit, elle a maintenant à la disposition une grande diversité des technologies de base des données et d'analytique. C'est-à-dire que cette entreprise n'arrête pas d'évoluer au fil du temps. Alors que l'entreprise amorce une migration vers le travail de données existantes et des déploiements de nouvelles charges de données vers Azure. C'est-à-dire que cette entreprise s'est dit non, on doit passer maintenant vers le cloud computing. C'est devenu quelque chose de très important. On va maintenant essayer de passer computing. Et donc, vous, en tant que directeur technique, donc personnellement, et donc vous aussi personnellement, on vous dit, vous êtes directeur technique, on veut aménager sur le cloud computing, dites-nous quel est le meilleur scénario pour tout ce que nous faisons dans ITK. Donc, on peut imaginer que ITK est une entreprise qui donne des cours en ligne, c'est-à-dire qui gère, par exemple, les vidéos en ligne, des cours tels que les écrits, les paiements, les clients, etc. Donc, elle a beaucoup de besoins sur le stockage de données. Et donc, c'est juste pour essayer un peu de se faire imaginer qu'est-ce qu'on peut avoir comme scénario, par exemple, sur le stockage des vidéos, le stockage des clients, le stockage de paiements et tout cela. Alors, on va passer maintenant on va un peu voir quelques services que Azure propose qui peuvent nous aider avec le scénario que j'ai pu écrire et un peu imaginer. Alors, il y a par exemple Azure Cosmos DB. Azure Cosmos DB est un service de base de données multimodèle. Alors, pour dire multimodèle plus simplement, je peux dire c'est un service NoSQL. Il ne fait pas et no oui NoSQL. Donc, il ne fait pas trop du SQL trop. Donc, hein, c'est un service très distribué et il est tellement flexible sur le stockage des données. Et il n'a pas de limites, hein. Il est partout dans le monde. Surtout si on parle de Azure Cosmos DB. Il offre juste un service d'un API que vous pouvez utiliser dans votre application. Et une fois que vous voulez changer, vous n'avez qu'à changer la clé dans votre application. Il a beaucoup d'API que vous pouvez utiliser. Mais ce qui rend Azure Cosmos DB, c'est plutôt le contrat SLA que j'ai mentionné là. En fait, le contrat SLA, qu'est-ce que c'est? C'est juste un contrat qui décrit en fait les engagements de Microsoft envers les activités de connectivité, si je peux dire ça. C'est-à-dire que Microsoft vous offre 99,99% de connectivité à votre base de données. C'est-à-dire qu'il y a une infime possibilité que votre base de données soit en inactivité. Et c'est comme ça que le contrat est celle-là qui est un peu décrit. C'est-à-dire que Microsoft s'engage à vous offrir une très grande possibilité d'activité à votre base de données, ainsi qu'aussi le débit, la latence et la disponibilité, ainsi que la cohérence à votre base de données. C'est un service très important. Imaginons notre petit scénario que nous venons d'écrire. Imaginez un peu que vous avez des vidéos stockées sur un serveur. Donc, le service Azure Cosmos DB vous correspond. Parce que si vous avez une grande quantité de données à stocker, la latence est très courte et tout le temps, les vidéos sont disponibles et la grande cohérence. Donc, avec notre scénario, si on a des vidéos stockées, tout va très bien. Alors, il y a aussi Azure SQL Manager Instance. Ça, c'est un service que j'ai beaucoup apprécié, que j'ai beaucoup apprécié quand je l'ai appris.
Mais c'est vrai, je ne l'ai jamais appliqué sur des projets très grands, mais c'est un service des données très évolutif. En fait, il a un très grand moteur de recherche, un très grand moteur plutôt de base de données SQL. Donc, il est très associé à ceux qui utilisent plutôt SQL Server. En fait, ils sont très cohérents. Et il a beaucoup de plateformes, et il a beaucoup d'avantages sur une plateforme, par exemple, PaaS. En fait, PaaS, je reviens sur le mot, ne vous inquiétez pas. Et on dit qu'il est entièrement managé. Donc, selon n'importe quel scénario, Azure SQL Manager Instance peut vous offrir des avantages d'options et de besoins de base de données. Tellement performant. Alors, c'est quoi le mot que j'ai cité? PaaS. Platform as a Services. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est juste un environnement de développement et des déploiements complets sur le cloud, avec ses ressources nécessaires pour vous permettre juste à n'importe quel service. Genre, il vous permet n'importe quel service. Donc, dans n'importe quelle application, que ce soit d'entreprise ou personnelle, et vous fait l'acquisition des ressources dont vous avez besoin, genre des services. Donc, PaaS, c'est juste un environnement très complet dans vos applications que vous utilisez très souvent. Alors, on va passer à un autre, comme il y en a tellement beaucoup, on n'en a choisi que trois. Celui que j'ai préféré pour mettre à la fin, c'est Azure SQL Database. Pourquoi j'ai choisi celui-là? Alors, la plupart des développeurs sont habitués à SQL Server. La plupart sont certifiés aussi dans SQL Server. Alors, SQL Database, c'est au fait, c'est du SQL sur du cloud, pardon, du SQL Server, mais sur du cloud. Alors, c'est aussi, il fait du relationnel comme on le fait d'habitude avec SQL Server. Il a une version très stable, donc c'est-à-dire une version qui est stable, mais sur le cloud. Donc, c'est ceux qui sont tellement habitués à Microsoft SQL Server, donc vous n'aurez pas des difficultés avec Azure SQL Server. Donc, il est très performant, fiable, complet managé, sécurisé, etc., etc., etc. Et donc, on n'en a pris que trois pour ne pas bouffer beaucoup de temps. Mais parmi ces trois, moi, j'ai préféré vous faire une petite démonstration sur Azure SQL Server. Donc, je vais faire un peu un truc de SQL parce que la plupart des gens connaissent quand même du SQL. Donc, on ne peut pas prendre trop des choses qui sont un peu compliquées. Donc, je vais repartager mon écran pour vous montrer un peu comment on peut faire notre petite démonstration. Voilà. On est là. Donc, j'ai déjà ouvert déjà mon compte Azure. J'espère que mon compte Azure s'affiche bien. OK. Non, j'ai l'impression que non. Je vais repartager, pardon, excusez-moi. Ouais, là, c'est bon. Oui. D'accord. Alors, on va créer une base de données SQL Server très rapidement. Juste, bon, je me contente de connecter à mon compte Microsoft Azure. Je ne veux pas le faire sur le compte, le sandbox, comme on appelle un compte gratuit pour faire vos exercices. Je vais le faire sur mon compte pour qu'on y aille un peu plus rapidement. Alors, le sandbox, c'est vrai, ça peut se faire, mais je veux vraiment qu'on puisse le faire très rapidement et très bien. Pourquoi je suis sur mon sandbox? Bon, OK. Alors, je vais créer une ressource. Et cette ressource, c'est au fait SQL Database, qui est juste là, à ce niveau ici. Ouais. Pardon. Alors, j'ai créé une ressource. Elle est juste là, SQL Database. Donc, j'ai créé une ressource SQL Database.
Bon, c'est pas grave, je vais démarrer dans un navigateur privé pour y aller très rapidement. Azure. Il est habitué apparemment au sandbox. Ok. Alors, je vais aller sur le portail. Voilà, heureusement mon compte est là. Next. Next. Tu as oublié de partager au fait l'écran. Ah oui, d'accord. Je le refais. Ah ouais, je me demande pourquoi il n'arrive pas à prendre automatiquement. Bon, là j'ai partagé carrément l'écran. Ah, mon sandbox est actif. Oh. Ouais, j'ai pas sur mon student. Je suis désolé. J'étais sur mon sandbox. Oh. Bon, ça arrive. C'est juste qu'il fallait que je revoie ça. Voilà, je reprends mon compte student pour aller très rapidement. Mais si vous allez sur Microsoft Learn, vous pouvez avoir la possibilité d'utiliser des ressources gratuitement, donc des sandbox, comme on appelle ça. Alors, je vais créer une base de données, SQL Database. Alors, il est juste là, SQL Database. Voilà. Alors, comme on a dit, SQL Database, c'est tout le monde qui connaît un peu comment ça fonctionne, mais sur Azure, il y a quand même des petites différences. On va un peu essayer de les mentionner ici. Alors, quand vous dites Create SQL Database, vous avez quand même cette... Voilà, on vous demande de créer, de choisir le groupe de ressources. Alors, moi, je vais choisir un groupe de ressources qu'on va appeler par exemple learn, comme que j'ai créé avant, j'ai dit learning for experience, apprendre juste pour l'expérience. Alors, je choisis mon groupe de ressources dans laquelle je vais mettre ma base de données. Alors, on me demande ma database name. Alors là, je vais appeler, on va dire learning, pourquoi pas learning. Ouais, et tout. Ça peut être toujours intéressant. Learning tout. Alors, on me demande de créer un serveur. Je vois que Monsieur Héritier avait parlé de créer un serveur. Il m'avait un peu expliqué, donc je ne vais pas trop m'attarder. Comme je dois créer un serveur, j'ai dit créer un serveur. Create a new server. Serveur, je lui donne un nom, j'ai dit Learning DB. Donc, j'essaie un peu de différencier le nom de la base de données et du serveur juste par un DB, exemple. Alors, je mets un mot de passe et non, là, je mets le nom de l'admin de la base de données. Je vais mettre RD. Ici, je vais mettre un password. Mettez n'importe quel password, moi, je mets le mien. Comme ça, je suis sûr de ne pas l'oublier. Alors, ici, je préfère mettre en États-Unis. Alors, oui, alors je me suis trompé quelque part. Et c'est ça. Alors je mets en États-Unis, je garde en États-Unis, donc c'est pas grave. Mais c'est mieux de mettre là où vos données seront mieux utilisées plus rapidement. Donc de là où votre application pourrait être, là où vos données seront stockées pour que la latence en soit encore plus moindre. Ok, je dis OK. Après cela, je peux. Ici, j'ai créé. En serveur, je peux dire on dit want to use SQL Elastic pour. Je dis non, je ne veux pas utiliser des élastiques sur mon base de données, donc je laisse tout ça. Donc le stockage, je peux laisser ça. Donc je prends génération 5, 2 V core et puis 32 Go de stockage. Donc c'est aussi bon. Je ne me plains pas, mais chacun peut voir un peu comment combien d'argent il a sur son compte Azure pour essayer de choisir. Donc, vu que moi, je vais un peu plus rapidement pour le temps, donc j'ai dit d'accord. Alors, je vais sur le networking. Le networking, ici, on me demande beaucoup de choses, mais ici, ce qui nous intéresse, c'est la méthode de connectivité. Alors, non access, pas d'accès à la base de données, public,
endpoint, donc public endpoint. Monsieur Héritier en a parlé aussi, hein, donc ou private endpoint. Donc moi je prends public endpoint. Genre, je préfère que ma base de données soit accessible partout. Et ici on dit le firewall. Bon, pour le moment, n'entrons pas en détail, mais ne vous inquiétez pas, on va en parler à la création. Alors, additional settings. Alors, ici, ce qui nous intéresse, tout ça ne nous intéresse pas, mais intéressons-nous un peu à celle-ci, le source de données. Où est-ce qu'on prend nos ressources? Si vous avez une base de données déjà créée avant, vous pouvez dire, ouais, backup, ou bien, non, aussi une base de données nouvelle. Mais moi, je veux juste des données d'exemple. Je veux une base de données d'exemple. Donc, je veux qu'on remplisse ma table, ma base de données avec des tables, des vues, etc. Juste d'exemple. Alors, j'ai dit d'accord, start for free, d'accord. Vous pouvez lire, hein. Ça, c'est juste 30 days for free pour payer au don. Next. C'est pas grave. Alors, le reste ici, je vous conseille de faire juste review in create. Alors, quand vous faites review in create, vous voyez, on vous dit combien vous allez payer par mois. 42, 39,42 ZAR. Mon compte est en ZAR, mais vous pouvez convertir ça en dollars à 44 cents quelques dollars par mois, avec les nombres, avec la capacité de données qu'on a choisie. Donc, ne vous inquiétez pas, vous faites create. En créant notre base de données, pardon, en créant votre base de données, vous pouvez quand même vous poser certaines questions très importantes. En fait, quelle capacité j'ai besoin pour stocker mes données? Où est-ce que je dois stocker ma base de données? Où est-ce que, comment ma base de données sera, combien d'utilisateurs j'aurai chaque jour? Quelle est la meilleure base de données que je dois créer pour un certain type de scénario? Tout ça fait partie de la création d'une base de données. En fait, il ne faut pas juste créer une base de données parce que vous voyez qu'on vous dit next, next review. Non. En fait, posez-vous un peu des petites questions. Moi, je l'ai fait rapidement parce que je m'étais déjà posé la question selon mon type de scénario. Et je me suis dit, je peux créer cette base de données. Alors, et comme ça m'a coûté comme ça. Vous pouvez vous poser 400 dollars juste pour une petite base de données. Non. En fait, c'est en fonction du scénario que vous êtes fait. En tant qu'expert Azure, dans la peau d'un expert Microsoft Azure, ces questions sont tellement importantes que elles doivent toujours être posées. Donc, si vous ne vous posez pas ces questions, vous risquez de vous faire perdre énormément d'argent et beaucoup de ressources juste pour rien. Imaginez-vous que vous avez juste un petit site web qui écrit des blog posts, mais vous venez créer une base de données d'un site, par exemple, e-commerce. Et qui vous demande 400 dollars par jour, vous voyez un peu que ça, c'est pas trop cohérent. Donc, beaucoup de questions et beaucoup de questionnements sont très importants pour quelqu'un qui essaie un peu de voir qu'est-ce qu'il veut faire pour un certain scénario. En fait, les scénarios sont très importants. Toujours se représenter qu'est-ce que l'on veut faire avec cette base de données qu'on crée. Donc, pendant que notre déploiement est en train de se faire. Il prendra 3 à 5 minutes. Faut toujours se questionner, bon, j'ai créé ma base de données, mais qu'est-ce que j'en fais? Quelle est l'utilité recherchée? À quoi je vais la relier? Donc, tout ça, c'est très, très important. Et donc, je suppose que dans quelques minutes, ma base de données sera déjà déployée. Parce que je vois que nous voyons la SQL var 6ZJQA. Voilà, elle est déployée. Donc, vous pouvez directement aller à la ressource par ici ou bien aller dans les notifications, aller à la ressource. Donc, moi, je préfère ce bouton ici. Il me plaît. Alors, je suis là. Quand vous avez créé votre base de données, vous avez bon, toute une page, hein. Un peu des statistiques, tout ça. Vous dites, comment est-ce que moi, je n'ai pas fait de statistiques? Non, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez juste lire le user space, located space, maximum storage size. Ne vous inquiétez pas, parce que votre base de données, là, elle ne stocke rien, presque rien. Ce qui nous intéresse, c'est un peu se dire, oh, on a pris une base de données exemple, mais qu'est-ce qui se trouve dans cette base de données exemple? Voilà. On va essayer de rédiger une requête. Tout le monde connaît une requête.
On va voir qu'est-ce qui se trouve dans notre base de données. Alors, request query editor. Alors, vous voyez directement qu'il y a mon login RZ qui est là. Ben, j'ai mis mon mot de passe, je veux savoir ce qu'il y a. Alors, quand je dis OK, soyez sûr que ça va toujours échouer. Pour la première fois, ça va toujours échouer. Pourquoi? Alors, votre base de données va vous dire, attendez, il y a quelqu'un qui essaie de se connecter à votre base de données, mais son adresse IP est là. Et c'est Azure qui met ces barrières pour vous dire, non, non, si quelqu'un doit se connecter à cette base de données en tant qu'administrateur, non, on doit savoir quelle est son adresse IP. Donne-nous son adresse IP. Alors, c'est comme ça que Azure va vous dire, non, non, vous ne pouvez pas vous connecter pour le moment. Demandez à cette base de données de vous mettre cette adresse IP comme étant vous. Vous voyez, une certaine sécurité. Sinon, tout le monde peut essayer RZ et commence à tester de mots de passe par-ci, par-là, jusqu'à ce que ça accepte. Alors, pourquoi ça traîne? Ça, c'est une question que je me pose. Voilà, peut-être que j'ai mis un faux mot de passe. Mais ce qui est sûr, c'est que ça doit échouer. Le login doit toujours échouer parce que votre base de données a été créée comme ça. On ne sait pas qui est vraiment l'admin. Même si vous mettez le bon mot de passe, lui, il veut être rassuré que vous acceptez l'adresse IP qui veut accéder à la base de données. Et donc, en se disant que le login ici va échouer, et ce qui va se passer, je vais passer pour que... Je vois que ça traîne, normalement c'est très rapide, je ne sais pas. Peut-être que ma connexion a pris du... Non? Ok. Alors, ce qui va se passer, c'est que une fois que votre connexion va échouer, vous allez vous rendre dans l'overview. Alors, dans l'overview, vous avez des onglets comme ça. Alors, je pense que M. Héritier a parlé de 7 serveurs firewall, le pare-feu, ouais, comment on appelle ça. Alors, le pare-feu, lui, nous empêche de nous connecter à notre base de données. Alors, entrons un peu dans les pare-feux et voyons qu'est-ce qu'il y a. Regardez, ne nous arrêtons pas au-dessus, mais allons sur client IP address. Donc, c'est déjà arrivé. Ma requête que j'ai essayé de me connecter à cette base de données est arrivée à la base de données. Et on m'a donné l'adresse IP de celui qui a essayé de se connecter. 554.573, etc. Donc ça, c'est l'adresse IP de celui qui veut se connecter. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ajoutons cette adresse IP à la base de données comme étant l'admin. Alors, on va dans l'onglet au-dessus, Add et client API. Une fois que j'ajoute, regardez, il ajoute mon adresse IP en tant que client d'adresse IP. Je peux en ajouter plusieurs, tous ceux qui vont essayer de se connecter à ma base de données. Mais c'est moi qui dois prendre cette initiative. Alors, je dis Save. Donc, j'enregistre la modification d'ajouter cette adresse IP à la base de données. Donc, elle peut se connecter. OK, successful. OK, je peux rentrer sur ma base de données. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur ma base de données? Cette fois, je vais essayer aussi de me connecter. Toujours avec RZ. Cette fois, je ne me trompe pas de mot de passe. Hein. Non, je recommence. cette fois, ça doit passer. Coûte que coûte. Login. Pourquoi ça ne passe pas? Pourquoi ça traîne? Ok, ça c'est inattendu, mais bon, essayons un peu de faire quelque chose de différent. Allons dans toutes nos ressources. On a toutes nos ressources, n'est-ce pas? Donc, tout ce qu'on a créé en tant que base de données, c'est-à-dire dans, là je suis dans ma ressource que j'ai créé par exemple Learning 2. Alors, moi, je vais aller dans la base de données. Je vais dans la base de données. Cette fois-ci, ici, je vais essayer
de créer une requête. Alors, où est-ce que j'aurais dit cette... Ah non, c'est pas ici. Ici, c'est learning. Ah, c'est là. Donc, je vais dans learning 2, learning base de données et tout ça. Donc, je vais essayer de rédiger une requête à partir d'ici. Donc, ce sont deux bases presque différentes parce qu'il y a le serveur et il y a la base de données. Alors, je réessaie d'ici. Qu'est-ce qu'il y a là? Je pense que mon firewall est déjà prêt, non? Oui, je pense qu'il est déjà prêt. Pourquoi alors il ne prend pas? Là, il est en train de prendre trop de temps pour se connecter juste à une base de données. C'est très simple. Hein. Qu'est-ce qu'il n'y a pas? Il me dit ici, Gotelin, dashboard. D'accord. C'est que c'est full upload. Mon firewall a été bien reçu. Mais bon, sûrement, il est en train de le prendre en compte. Je vais être patient. Quelques secondes. Mais c'est très bizarre. Hein. Pourquoi il ne prend pas? Quand même, qu'il puisse me donner une réponse que non, je ne veux pas que tu te connectes à ma base de données. Plutôt que de me faire porter là. Connexion. Oui. Bonne connexion. Ouais. Toujours un peu les activités de sur la base de données. Toujours rien. Donc, c'est-à-dire que ça va passer. On va lui laisser un peu de temps de se connecter. En tant qu'administrateur, c'est trop trop long. C'est trop long et nous, le temps, on n'en a pas. Donc, je ne peux même pas faire de query. Continuons en tant que... Ça aussi, c'est une possibilité, mais que je n'utilise pas parce que c'est comme si j'étais en train de me loguer directement avec mon propre mot de passe de mon compte. Mais elle aussi, bon. Je sais pas. Je vais faire quelque chose de stupide. Je vais réactualiser la page. Sûrement, j'ai un petit problème de connexion en tout cas. Si ma ressource a été créée correctement. Là, on a les serveurs. Là, on a la database. Nous, on veut la database. Oui, toujours rien. On va rédiger. Attends, pardon, excusez-moi. Je vais regarder qu'est-ce qu'il y a. Oui, je suis là sur les serveurs. Donc, il n'y a pas de souci, je vais essayer de faire une requête. J'espère que cette fois, ça va passer. Albert, tu m'entends? Sais pas, mais j'arrive pas à me connecter à ma base de données. Point de correct. Oui, je t'entends. Bon, ma base de données a décidé de ne pas vouloir me donner l'accès. Vais laisser un peu porter jusqu'à ce qu'elle me donne une réponse. Merci.
Tu pourras utiliser du Power BI pour qu'on voie juste les données qui sont à l'intérieur. Oui, c'est aussi une possibilité. Donc, je vais essayer de faire du Power BI, mais bon, là, il me demande. C'est quoi ça? Attendez, j'ai pris quoi? Ah, il faut que tu télécharges Power BI Desktop. Ah ouais, ça c'est encore trop long. Hein. Oui, bon, je vais lui laisser un peu le temps. Peut-être que c'est moi qui me suis mal pris en créant la base de données, mais je ne pense pas. Bon, et puis en même temps, je vais aller quand même sur le store pour prendre du Power BI. C'est trop bizarre. Ça, c'est trop bizarre. Bon, ça arrive. J'ai un problème de connexion. Est-ce que tu as bien retenu le mot de passe? Exactement, je peux pas me tromper sur. Et puis si le mot de passe il était pas bon, normalement il aurait dit. C'est le même mot de passe et il a même mis la flèche bleue. Donc le mot de passe il est bon. C'est juste que je n'arrive pas à accéder à cette base de données. Elle ne veut pas, elle ne m'aime pas. Elle s'est dit non, non, c'est trop. Bon, ne t'inquiète pas. Ce qui est sûr, c'est que ça va passer. Il faut juste lui laisser le temps, je ne sais pas. Peut-être que je n'ai pas assez de ça. Peut-être. Mais bon, la connexion avec la base de données, automatiquement, là, elle sera passée. Et donc, on allait faire un petit. Un petit query. Voilà. Ah, OK. A connection of the server learning database window.NET Cloud B. Whenever this might indicate an issue in local firmware. Ah, oui. Là, c'est j'ai un problème de mon firewall. Donc, j'ai dit d'accord. Je repars sur mon firewall. Là, je suis quand même soulagé. Donc, je n'ai pas oublié mon mot de passe. Alors, je vais dire sur mon firewall, je retire mon ancien adresse IP. Je dis delete. J'ai dit à des clients IP. Je refais save. Et donc, voilà, c'est passé. Je rentre sur ma base de données. Je refais le query. Voilà. Vas-y, passe très rapidement ces trois, j'espère. Je me rends compte que ça doit être la soumission du firewall. Donc, à chaque fois que j'ai soumis le firewall, peut-être que s'il y avait une certaine latence du réseau qui n'est pas arrivée. Donc, je lui laisse un peu de temps. Mais en même temps, je prends aussi Power BI Desktop pour qu'on aille très rapidement. On ne puisse pas s'attarder tout le temps. Oh. Okay. Donc lui, on le met. Ok, pourquoi il traîne? Il y a sûrement un problème de. Mais bon, pour ne pas prendre trop de temps, je vais même quand même présenter la requête que. Je voulais faire passer la requête qu'on pouvait exécuter sur la base de données. Une fois que vous pouvez avoir votre base de données créée,
Je vais exécuter la requête suivante. Voilà. Alors, on allait juste faire un petit select. Select top 20, donc tout ce qui est au-dessus là, du PC dot name as category name. En fait, ce sont des données déjà qui sont créées quand on prend une base de données exemple sur Microsoft Azure. Va vous créer des données déjà pré-créées, donc une base de données qui a des tables catégorie, name et product name, où on va prendre self-lt.product catégorie PC, donc PC qu'on a eu là, et qu'on allait joindre ces deux produits. Et ça allait nous donner quand même un résultat, et un résultat, mais là, je ne sais pas pourquoi le firewall ne veut pas que je puisse accéder à la base de données. Tu pourras juste oui, tu pourras juste autoriser en fait l'accès via ton firewall. Tu peux cliquer sur le set server firewall qui autorise que les gens se connectent. Ah oui, ah, merci beaucoup. Je suis tellement désolé, j'avais oublié. Il faut allouer que Azure puisse accéder à notre base de données. Ah, je suis désolé, j'ai zappé. Donc, c'est Allow of Azure Service and Resource and Services. Il faut mettre à Yes. Merci beaucoup, Monsieur Gandolo. Ça se voit que vous êtes un expert. Alors, j'ai fait un save. Ah, wow. Comment j'ai pu oublier ça? Bon, ça arrive. Alors, cette fois, je suis très, très sûr que... j'avais complètement... Ah, voilà. Donc, Monsieur Héritier, merci beaucoup. J'avais complètement oublié. Donc, il faut toujours... Vu qu'on se connecte directement sur Azure, on doit donner la possibilité à Azure d'accéder aux données de la base de données. Donc, ça, c'est très normal et très compréhensible. Donc, je mets ma requête que j'ai créée là. Select top PC, donc tout le monde peut la voir. On joint les données du produit et du self LT, puis on les affiche. Donc, une fois qu'on dit run, voilà. Voilà, on a nos catégories. On a un résultat de notre requête. On a là... catégorie name qu'on a ici et product name qu'on a oui, product name ici. Donc on a notre requête de 20 catégories. Donc c'est un peu comme ça qu'on peut créer des bases de données sur Azure, très simplement. Mais il faut pas oublier de mettre un yes, hein. Bon. merci et beaucoup, ça a été un plaisir de vous présenter cela. Albert? Yes. Yes, merci beaucoup. Donc, pour moi, c'était tout ce que j'avais à présenter. Mais s'il y a quand même des questions, on peut y répondre. Donc, les questions, on le prend directement pour qu'on puisse clôturer cet événement. Oui. Donc il y a pas de question, c'est ça? Non, je pense qu'il y a une question dans le live chat YouTube. Il y a une question. Oui, on demande ceci. On demande si on peut utiliser le Management Studio pour faire la requête. Exactement. Avec Management Studio, l'outil Manager Studio est très, très performant. En fait, c'est un
produit de chez Microsoft qui est totalement à jour. Je peux dire comment. Une fois que vous avez créé votre base de données sur Azure et que vous avez connecté ces deux comptes, donc votre Visual Studio ainsi que votre base de données, vous pouvez totalement faire la requête à partir de Manager Studio. Vous n'avez pas de problème avec cela. Oui, une seconde question. Comment fonctionne le licensing du SQL? Tu as dit? La question suivante. Comment fonctionne le licensing du SQL Cloud? Du SQL Cloud. Alors, je vais vous montrer un peu un petit... Il veut savoir si on a des limitations en termes de data size. Non, pas vraiment. Alors, le licensing sur le SQL fonctionne un peu comme ça. Donc, comme on a pris, nous, une base de données très simple avec 32 gigas, vous pouvez créer une base de données plus grande et plus exceptionnelle que ça. Donc, Microsoft a ce qu'on appelle l'expense. Donc, une fois que votre base de données dépasse une certaine limite, automatiquement, il peut allouer des données. Donc, vu que sur le cloud, on ne paye que ce qu'on utilise. Imaginez-vous que vous avez créé une base de données de 10 gigas. Octets, mais on a remarqué qu'avec le temps, les 10 gigaoctets ont été épuisés. Microsoft n'accepte pas que votre serveur, votre base de données entre en down. C'est ce qu'on appelle le skill up. Ouais, les skill up, je me trompe pas. Donc, il peut vous donner, il allouer des données à votre base de données, genre ajouter 5 gigas de plus pour que vous puissiez fonctionner toujours. Alors, comme les licensing ici, regardez, les général purpose, c'est de 500 à 20 000 IOPS. Donc, 1 ou 2 ms. Donc, 2 à 10 millisecondes par latence. Mais, ne vous inquiétez pas parce que ce que nous, on a pris, c'était très grand. On a pris 32 gigas maximum. Vous pouvez aller jusque à 1 teraoctet. Donc, 300 et 7 gigaoctets de loi allouée. Donc, vous avez beaucoup. Vous pouvez diminuer. Nous, on a pris 32. C'était trop. On peut prendre plus moins. 14, 11. Donc, c'est à vous de décider. Et même le corps, les V-corps, vous pouvez choisir 6, 7, 8 ou jusqu'à 80. Donc, cela ne concerne que vous. Donc, sur les termes de licensing, ça ne dépend que de la personne qui a besoin de d'utilisation, si je peux dire ça comme ça. Alors, lorsque nous essayons de voir ce qui est écrit, ce que notre participant demande, on peut savoir des scénarios d'utilisation de Cosmos DB au lieu d'Azure SQL. Est-ce qu'on a utilisé Cosmos DB au lieu d'Azure SQL? On suppose que lorsque les données deviennent plus importantes, on peut aussi migrer. Est-ce qu'on peut quitter des teraoctets pour aller vers des pectaoctets? Et de ce côté-là, on peut changer de plateforme. Vous comprenez donc comment on peut faire les backups de cette base utilisée dans la démo. Comment on peut faire le backup? Faire le backup d'une base de données Cosmos DB vers une base que tu as fait. Oui. Alors, on va refaire ces petites démos. Si vous... Parce que je ne pourrais pas expliquer avec des paroles. Hein. C'est toujours mieux avec une petite démo. Comme ça, on comprend. Alors, à la création de votre base de données, vous lui donnez tout ce qu'il y a, donc Learning Experience, cette fois on va dire Cosmos. Écoute, nous ne voyons pas ton écran, on voit plutôt autre chose.
Nous Oh, voyons ah. ton arrière-plan. D'accord. Désolé. Je reprends. Non, c'est bon. Allez-y. Okay. Donc là, c'est bon, non? Oui. Voilà. Vous choisissez votre serveur. Donc, moi, je prends toujours celui-ci pour ne pas prendre beaucoup de temps. Je laisse aussi le stockage. J'ai dit next. Ici, on a le networking. Blablabla. Alors, il prend toujours les mêmes paramètres. Next. Alors, sample. On prend un sample. Ah non, voilà, c'est ici. Alors, backup. Regardez ce qu'on nous dit. Select et backup. Donc, sélectionnez votre sauvegarde. Moi, je n'ai pas de sauvegarde sur moi. Vous avez, par exemple, une base de données qui s'appelle Cosmos aussi. Donc, automatiquement, une fois que vous avez une sauvegarde sur votre compte Azure, vous pouvez la récupérer juste en tapant son nom. Pas besoin de chercher, non, elle se trouve où, elle se trouve où, non. Ou bien, si vous avez votre backup sur votre PC, vous l'uploadez sur le compte Azure et automatiquement, vous la récupérez très facilement. Et c'est Microsoft qui se charge de tout ce qu'il y a à faire. Donc, comme il a dit lui-même qu'il avait une sauvegarde sur un compte sur le la, sur SQ, sur Cosmos DB, mais il veut Oui. aller sur SQL Voilà. automatiquement. Celui qui a demandé s'appelle Peter. Il y a une autre question. Est-ce que l'upload sera facturé à l'abonnement quand vous faites les backups? Est-ce que ça sera Ah, facturé? bon, je ne sais pas, mais essaie un peu de voir plus. Mais je ne pense pas que l'upload sera facturé. Attends. Raising the automatic database. Si l'upload est facturé, cela n'a pas de sens. Parce que, de toute façon, c'est juste mettre des dossiers sur votre base de données automatiquement. Non, ça c'est. Ah, voilà. Delete that. Ah, voilà. Alors, c'est à ces niveaux. Dans la documentation, Microsoft en parle plus que ce que je ne sais. J'ai jamais fait une backup d'une base de données, mais je vais quand même essayer et je lui donnerai quand même une réponse. Vu que c'est Peter, je prendrai quand même son... S'il peut nous envoyer son email ou son WhatsApp, on peut lui répondre. Mais là, je ne sais pas si l'upload est payante. Je vais quand même faire des recherches sur ça. D'accord. Alors, il y en a une autre. Alors, Peter, est-ce que cela va mieux? Adresse mail. Donc, attendons, on va voir si Peter va réagir. Sinon, après cela, on doit couper l'événement déjà quelques minutes derrière. Oh, c'est sûr. Avec les petits problèmes qu'on a eu de... Voilà, Peter a beaucoup aimé, c'est bien. Merci beaucoup, Peter, et merci pour tout le monde. Merci pour ceux qui se sont intéressés de manière particulière, avec beaucoup d'intérêt sur notre événement. Cela va nous aider beaucoup et ce n'est pas la dernière présentation que nous allons faire. Nous avons encore beaucoup de choses que nous allons finir parce que nous avons tout un parcours à faire. Et donc, si un problème n'arrive pas, le samedi prochain, nous serons avec vous à la même heure. Cette fois-ci, les choses seront réglées avant. Donc, merci beaucoup.
Merci beaucoup à toi aussi, Albert. Ça a été un plaisir. Merci aussi à Monsieur Héritier qui s'est quand même disponibilisé pour donner aussi cette magnifique présentation sur le réseau qui me façonne tellement. Merci aussi à celui qui a diffusé. Merci, merci à vous tous. C'était un plaisir de partager avec vous. Merci et au revoir. Au revoir.